Doc, ça y est. J'ai des boyaux de zombies pour toi. Crane, entre, entre. Les gens commencent à croire aux ondes. Tout. Hey Crane, tu m'entends? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Quoi? Putain, Raïm! C'était mon boulot! Pourquoi? T'es plus qualifié que moi pour manipuler des explosifs, tu crois? Y'a du monde dans l'école. Espèce les éclaireurs de ont vu des gens entrer dans le bâtiment. Bref, on a foiré. On a carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle! Et ça va! Va à la gare de triage et planque-toi! J'arrive! Omar! Derrière toi! Derrière toi! Raïm! Raïm! Bracken! Bracken, tu m'entends? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Je pars chercher Raïm! Raïm? Mais il est ici! Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid! Et ils sont dans le pétrin! Hein? Quoi? C'est moi qui les ai piqués à Rice. Oh putain de merde! Je suis pas loin, je vais le ramener, Bracken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul. Jeanne est au courant de tout ça? Non, elle est pas au courant. Lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Dit qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi. Et merde! Ah!
Brecken, c'est moi. J'ai trouvé des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Rhyme. Merde! Où est-ce qu'il peut bien être? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare des triages. On va le chercher. J'espère que ce petit con est toujours vivant. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Il semblerait que Rhyme ait réussi à s'enfuir. Je lui ai dit de se cacher dans la gare de triage. Il se peut qu'il soit toujours en vie. Tiens bon, Rhyme. Je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de 5 minutes. Tu saignes? Je me suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première.
Je l'ai. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. C'est bon pour la première. Sois prudent. Un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première. Je l'ai. Ton plan a marché! Raïm, tu m'entends? Espèce d'imbécile!
Jade. Rain, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est Raïm. Et il est mort. Merde. Reviens ici. Et dis rien à Jade pour le moment. Raïm est mort. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Jade? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Qu'est-ce que tu fais là? Je déterre des vers pour aller à la pêche. J'ai bien des idées. Non, je vais aller pêcher. Maintenant, c'est Marbeau. Si tu m'escortes à mon coin de pêche secret, je te filerai quelque chose dont j'ai rien à foutre, mais qui te plaira. T'en penses quoi? Ah ok, on est parti. Super. Il faut juste que j'aille chercher mon matériel. Je vais le thé. Où est le café? C'est pour lui. Les zombies, ça craint, mais une pénurie de café, c'est pire. Thé vert, thé noir, Earl Grey, beurre, beurre et triple beurre. Brecken. Il est mort comment? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Et c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Je sais, je sais. Il me rendait dingue parfois, mais... Mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Pour sang, si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Jade! Jade! Attends! Jade! Merde! C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. Serré! Merde! Descends! Empêche-les de grandir! Tu l'auras cherché.
Y a plus personne. Ils ont capturé Zeré et l'ont embarqué. Merde, Bracken. Zeré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Tu vois ce qui se passe, repense pas à Rice. Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zeré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris ? Thank you.
Kraken. La garnison est fermée. Tout est condamné. Tu vas avoir du mal à entrer. Trouve une autre issue, c'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'y vais. Reste vigilant surtout. Bonne chance.
Les hommes de Rice ont enlevé Zéré, pillé son camion et emporté tout son équipement. S'il avait des notes de recherche, j'imagine... Ici Crane. J'aurais besoin de l'assistance du GRE. Maintenant. Pas de bol, agent Crane. Vous êtes au ministère de la Défense. Hein? Il se passe quoi? Où est le GRE? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenue zone cible code 1. Attendez un peu là, vous pouvez pas raser cette zone! Il y a des centaines d'innocents ici! Peut-être même des milliers! Aucune importance, c'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin, il est près du but, j'ai vu ses notes. Si vous rasez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin, mais bon... Vous avez 48 heures. Merde, c'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant. Celui qui bossait sur un vaccin pour le virus. Où es-tu, mon ami? Je vais te dégommer! Bricken, j'ai pas vu Zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Il y a un sous-sol. C'est peut-être là qu'il est. Merde.
Tu vas crever pour ça, tu m'entends? Voilà. Du calme, c'est moi. Oh, Crane. J'ai trouvé Zéré. Je voulais le ramener à la tour, mais Rice et ses hommes nous ont tendu une embuscade. Je sais pas comment tout ça va se finir. Debout. Oh merde. Tu es un véritable serpent qui s'infiltre, Crane, dans la cité des menteurs, le roi des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Réponds, enfoiré! Vas-y, perds ton sang-froid. Mets-toi en colère, je t'en prie. Pas mal. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entendu. Yeah.
entendras parler de tes exploits. Dommage, tu ne seras plus là. Ça y est, tu prends ton destin en main, c'est ça? C'est un peu tard, malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Bien diverti mes hommes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne fais que prolonger l'inévitable. Mais vas-y, défonce-toi. On ne pourra pas dire que j'ai été dur avec toi. Tes exploits ne m'étonnent plus, Crane. Le GRE choisit bien ses agents. Oh, merde. Abaissez la plateforme. Le chaos, Crane. Le chaos est la clé.
Celui qui ne le comprend pas est un idiot. Je vais t'expliquer. Bassam, tu me reçois ? 5 sur 5. Publie le fichier. À vos ordres. Et... c'est fait, c'est parti. T'es fou, allié ! Putain, tu viens de condamner des milliers d'innocents ! Avec ton fichu chaos ! Tu ne sais pas ce qu'il y avait dans ce fichier. Le GRE voulait transformer le virus en arme chimique. Ils veulent s'en mettre plein les poches. C'est tout ce qui les intéresse. Et toi, tu es devenu leur macaque apprivoisé. C'est pitoyable. Allez, tuez-le. Allez, Doc. Venez, on rentre. Crane... sauve ces gens. Ils ne méritent pas ça. Toi, donne-moi cette torche. Crane ! Qu'est-ce que vous attendez ? Tirez ! Adieu, Doc. Je te tiens. Courir. J'ai trouvé un moyen de sortir de l'arène, et il faut que je retourne voir Brecken à présent. Zeré, il est mort. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il m'a dit qu'il avait réussi à donner ses notes à Jade avant que Raïs le kidnappe. Il reste peut-être un espoir. Thank you.
Ah, oh, c'est comme une brûlure. Où je suis? J'ai dû te cacher sur le quai. La moitié des gars de Rice te cherchaient. Je sais pas ce que t'as fait, mais ils sont énervés. Je dois voir Jade. Ziri lui a donné toutes ses notes. Et elle a voulu tout apporter à Camden. En tout cas, elle a essayé. Il a appelé pour dire que les gars de Rice avaient trouvé son labo. Il a laissé les zombies entrer et s'est barricadé. Maintenant, il est pris au piège. Ensuite, la liaison a été coupée. On n'a pas réussi à le recontacter. Je vais la chercher. Comment elle compte entrer? Ce quartier est bouclé. Il y a un groupe, appelé les Sauveurs, qui fait passer les gens. Ils ont leur repère au bar de Nico, dans le chaudron près de l'autoroute. Les contacts s'appellent Senk. On a assez de gars pour couvrir les livraisons? Les largages ont cessé il y a 36 heures. Il n'y en aura plus. Faut faire vite, Crane. Merde. Bon. Je sais pas si j'y arriverai, mais tu peux me croire, je vais essayer. À ta place, la plupart des types y restent planqués sans rien dire. Respect, mon gars, et bonne chance. Crane, voilà ton équipement. Karim te passe le bonjour. Tu le remercieras pour moi. Yeah.
Ouais. On a discuté quand j'ai rétabli les communications radio. On va la contacter en arrivant là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Bracken. À plus. Tu veux quoi ? Je cherche les sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Bracken qui m'envoie, de la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée ? Jade ? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux ? C'est toi qui as coupé la main de Rice ? Ouais. Et là, je dois passer dans le secteur zéro. Tu t'appelles comment ? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur zéro te permettra d'échapper à Rice. Bon, attends. J'ai un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment ? T'es sûr ? Ouais, ok. Entendu. Viens là.